Et bonjour, on se retrouve pour la suite de notre petit jeu. Du coup, on s'était arrêté ici. Puis, c'est parti, tout simplement. Allez. Du coup, vous voyez que c'est un peu moins vide au niveau des cœurs pour l'instant. Du moins, de ce qu'on voit jusqu'ici. Et c'est légèrement changeant d'ambiance aussi. C'est plus sombre. Plus bah. Saute. Ah, t'as vu. Ok. Voilà. Et maintenant. Ah. Bien sûr. Ok. Voilà. Alors après, il faut faire. Ça va être compliqué ce niveau, je sens. Hop. Hop. Voilà. Alors maintenant, faut aller où? On va aller par là. Voilà. Est-ce qu'il y a bien de beau par là? Mais rien, ok. Pas comme ça, c'est fait. Va être par là, alors. Ça a l'air. Peut-être. Maddie? Non. Hi, I'm glad you came. Ah, sorry about là. back there. I just get so frustrated. They cling so desperately to what they know, won't ever do anything new. It feels better when Fred is around. I told Madeline I didn't mind, and I asked her what she was doing with the book. Oh, this? These writings? It's like a secret language. They are done by people who left the village long ago. They're called the Strays, but no one wants to talk about them. I started translating their language with help from a stray book that Fred found. This one says, "Don't move when the eye is open," I think. I wonder what it means. Whatever. We should get going. Why don't you take me on your back? It'll be faster if you carry me. I used to piggyback on Fred all the time. Turn around and I'll hop up. You're not going to drop me, right? Okay, let's go. Madeline climbed up on my back, and with the suit on, I could barely feel the extra weight. The winding, narrow tunnels felt like they were closing in on me. They were oddly long and twisting, almost like someone or something had dug them out. With Maddie on my back, I had to be careful not to bump her head on the ceiling. Okay. Ooh. Raté. Voilà. Ah.
arrive. Oula. Ça m'a l'air légèrement compliqué ici, hein. Ah. Ah. Toujours en couple. Bon. D'accord, j'ai compris, mais je me suis fait une... Ok. Ok. Farewell, old life. Let us start anew. The Straits were ordinary people living in the village long ago. They disagreed with the old traditions and left to form their own village, or they were thrown out for misbehaving. The stories differ a bit. Ok. Où faut aller maintenant? Ok. Est-ce que je vais y arriver? Non. Seemingly bottomless pits loomed below us, everywhere in the cave. The further we got, the more I felt like what faint light existed down there was getting fainter. I was really glad that I wasn't alone. Voilà. Where? Of what? Attention. Ça commence à flipper. Mais vraiment. Pourquoi on s'avance toujours vers les endroits les plus sombres? What was that? I had never heard a creature sounding as terrifying, and I imagined it wouldn't be happy about visitors. Ok. L'ambiance est un peu lourde. Ok. Ça va bien se passer. Alors, faut courir. Voilà. Ici, on avance tranquillement, en se disant qu'il n'y a pas de monstre.
See that glowing plant over there? I bet something will happen if you used your grapple on it. Je suis en train de me faire peur à moi-même, c'est quand même passionnant. On peut courir, j'imagine. Non, je vais pas tomber, non. Ok. It is really dark down there. You're not scared, are you? Non, j'ai pas peur du tout. Mais pas du tout, voyons. Voyons, Madeleine, faut pas avoir peur. J'ai du mal à voir où faut aller. Ok, on va par là. Là, là, je sais même pas si vous voyez quelque chose. A few moments later. Ah, il y a une suite de chemin là. Ok. Le chemin. Fred has been with my people since the first villager was born. He helped us build the village, taught us how to speak, and helps us with everything. He taught me how to read and write as well. That's how I could learn to read the writing on the walls. Okay. Donc Fred est un peu leur bienfaiteur, quoi. Ok. Du coup, c'est par là. Mais bah, tant pis pour le trésor là. Je suis pas prêt. Trésor. Ah, bah, get back. De quoi recule? Se cache derrière le caillou. Wow, dude. I think I figured out what eye that writing was going on about. Maybe we shouldn't charge right out in front of that thing. Remember what it said. Don't move when the eye is open. Ne pas bouger quand l'œil est ouvert. Ok. C'est moche. Ça fait peur. D'accord, très bien. Et si je bouge pas quand il se réveille? Voilà, faut pas bouger. Ok. Là, c'est le temps que je vais prendre pour ce truc, ça va être horrible. Je vais bouger. Je ne veux pas savoir si c'est si ça bouge trop.
Oh, pardon, je ne vais pas utiliser le clic. Je ne te regarde pas, je ne te regarde pas, je ne te vois pas. Dire un gros verre dégueulasse. J'ai toujours la lumière. Oui. Par où? Oh putain. Oh non. Regarde ma tête. En fait, faut prendre le cahier. Je sais pas, ah, je viens de voir. J'ai bougé. Attends. Je vous présente Glup. Parce que Glup, ça lui va bien, en fait. Parce qu'il n'y a pas grand chose quand il bouge pas, en fait. Pas de beaux yeux, tu sais. Bon. J'ai envie d'attendre encore. Mais je suis prête à partir, vous voyez. Je suis pas prêt. Mais tu me vois pas à travers un caillou, genre. Allez, glu glu. Plus de dos. Voilà. Allez, glu. Yes, we did it. You're awesome. I knew you had it in you. Voilà. That was close. We had made it through, and I felt like nothing could stand in our way of finding Fred. Et donc voilà, l'épisode est terminé. Du coup, je vous retrouve pour le prochain, et je vous dis bye!